Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus à l'espace culturel Georges Brassens de Léonan pour la 32e édition des Walter des Sports. Merci à toutes et à tous d'être venus déjà en ce vendredi soir un peu plus vieux. Vous pouvez vous applaudir. Cette année, pour la 32e édition des Walter du Sport, l'ancien international tchèque des Girondins de Bordeaux, Jaroslav Plazil, était le parrain de cette édition. Lors de la soirée, 10 trophées ont été remis à 10 sportifs amateurs ou semi-pro. Le gagnant est Pauline Ploton. Pauline Ploton de l'équipe du CA Béglé a seulement 20 ans, remporte le premier Walter des Sports. Ils sont handballeurs, boxeurs, escrimeurs, joueurs de waterpolo, volleyeurs, motards, athlètes, footballeurs, rugbyman, navigateurs, au masculin ou au féminin, pratiquants ou dirigeants. Cette liste à la Prévert, c'est la sélection pour la 32e soirée des Walter du Sport. On remercie aussi TV7 pour nous permettre de pouvoir côtoyer tous ces autres sportifs. Parce que certes c'est des amateurs, mais nous on a l'impression d'être entouré de professionnels quand même. Parce que quand on voit les gens qui sont nommés, nous on se sent quand même petit à côté de tous ces gens-là. Pour célébrer ces lauréats, de nombreux grands noms du sport ont parrainé la soirée, comme la golfeuse professionnelle Emma Gritschi qui avait remporté 2 ans auparavant le Walter d'Espoir. C'est le dernier trophée que j'ai reçu dans ma carrière amateur. Je suis passée professionnelle un mois juste après. Et c'est vrai que depuis, cet été, j'ai gagné ma première victoire chez les pros. Cette mise en valeur des dirigeants et des amateurs a intéressé le conseil départemental de la Gironde qui la soutient depuis 1995 et qui a remis le prix du conseil départemental à l'association MEH. Ils vont nous rejoindre sur la scène emmenée par la présidente Aurélie Cazot qu'on peut applaudir et tous les enfants qui participent à cette association, mesdames et messieurs. Le Walter du public, donc, et le club de Belin-Belier handball. Le club de Belin-Belier qui fait le doublé. Je vous apporte le trophée Ivan Butignol pour ce deuxième trophée. On peut féliciter tous les nommés sur scène. Ça a été une belle année, une belle édition, Nicolas. Oui, belle édition. Et puis on vous donne rendez-vous donc pour la 33e édition des Walter du Sport avec un trophée conçu depuis maintenant quelques années par le sculpteur Walter Notz, qu'on remercie.